Salut à tous les amis, c'est Aquasis, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Pokémon Type Wild, un jeu fan-made, réalisé par des fans évidemment, qui est en fait un espèce de Pokémon Street Fighter. C'est super sympa et je vous propose d'aller voir de suite comment il est fait. Alors, donc c'est un jeu vraiment très simple, hein, vous voyez, il n'y a que deux modes de jeu. C'est-à-dire le single player où on affronte chacun de nos adversaires en ordinateur, ou jouer à deux si jamais vous pouvez partager votre clavier avec un ami. Le jeu est en japonais comme vous pouvez le voir, mais il est tout à fait possible de trouver un patch anglais. Moi j'en ai pas pris parce que c'est tout simplement pas nécessaire, il n'y a pas vraiment d'histoire, donc de ce que j'en ai compris. Ou s'il y en a une, j'ai vraiment pas compris. Et voilà, sinon ça vous empêche absolument pas de jouer. Voici donc tous les personnages que vous pouvez avoir. Vous avez un Ectoplasma, un Ronflex, un Brazegali, un Galifeu, un Gardevoir, un Chapignon, un Avaltou et un Lucario. Toi, je te déteste, de toute façon je déteste ce Pokémon. Donc dans tous les cas, je sais que c'est l'évolution de la Poreille et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Le jeu se profile donc comme un jeu de combat d'arcade classique, avec des animations, mais alors vraiment excellentes pour un jeu fan-made, c'est impressionnant. Avec plein de références au dessin animé, au jeu et tout, c'est excellent. Du coup, je pense que beaucoup d'entre vous auraient pensé que j'aurais pris Lucario, mais je n'aime pas trop ces animations de combat dans ce jeu. Je suis plutôt tenté de prendre Ectoplasma, il est très marrant. Alors, donc il y a trois modes de jeu, facile, normal et difficile. Cependant, il faut savoir que... c'est très difficile malgré tout. Faut vraiment pas croire, c'est pas parce qu'il y a marqué facile que ça l'est. Donc là, hop, un petit cap humain pour le truc de chargement. Donc là, il dit. Alors, je vois un A en bas, mais c'est tout ce que je comprends là-dedans. Faut vraiment que je me mette au japonais. Je risque de le faire en plus bientôt. Ah oui, donc, alors, les voix des dessins animés japonais. Alors, donc là, on se retrouve devant la tour cendrée de Pokémon Or et Argent. Avec derrière, on voit l'héroïne avec Mortimer. D'ailleurs, ça tombe bien, parce que je suis un Ectoplasma, parce que lui, c'est champion de Pokémon Suspect. Putain. Ah, donc, alors, le jeu se profile en commande de la façon suivante. Vous avez deux coups, donc coup simple, coup long, et coup de pied court et coup de pied long. Avec une attaque spéciale que je n'ai toujours pas compris comment activer, faut pas m'en vouloir, hein, mais... Voilà. Ah, putain, je fais avoir. Ah, connard! Donc, comme vous pouvez le voir, les animations de combat sont excellentes. On voit aussi également les geishas, les danseuses plutôt. Derrière qui sont disons notre ah oui, il y a aussi le bouton hop pour bloquer. Aïe 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 aïe, casse-toi. Le jeu est gratuit, hein, je tiens à le dire. Pour le télécharger c'est pas difficile. Ah putain, casse-toi, tu vas pas me faire un perfect, connard. Il a fait un perfect. Bon, du coup je me suis fait avoir et il dit quelque chose. Il y a que 2-3 symboles que je connais là-dedans. Non. Ta gueule. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ah, les animations de Gardevoir sont absolument magnifiques. Franchement, ils ont fait un boulot excellent pour elle. Enfin, pour lui, hein, parce que ça peut aussi être un garçon. Mais disons qu'on a tendance toujours à, avec son côté féminin, à... Ah tiens, voilà, Ectoplasma. Ah, devant la tour de l'avant-ville. Vous voyez la référence au dessin animé quand Sacha était, ça je me rappelle dans la première saison, quand Sacha était devenu un Pokémon, enfin un fantôme à cause justement d'un Ectoplasma et d'un Spectrum, et qui s'amusait à faire peur à Ondine en la faisant voler partout. Excellente référence. Ah, casse-toi. Ah, ballerine. Yeah. Allez, on spam. Je spam. C'est le meilleur moyen de s'en sortir. Ow. Non. Ow. Oh batata. Où est-ce qu'il sort ce marteau? Aïe aïe aïe. Ah mais il lui reste rien en PV. Ah voilà. Hell yeah. Donc voilà, c'est vraiment...
C'est vraiment très simple, hein. Mais pourtant, pour rien que l'avoir fait, c'est déjà tellement pas simple. Ah oui, il y a aussi un bouton apparemment pour avoir des de l'aide, des Pokémon qui arrivent de temps en temps, mais ça non plus, je sais pas comment faire. Je dois vous avouer, tout est en japonais, donc j'ai quand même un peu de mal. Bon. Ah, oh, je suis tombé. Ah, il m'a endormi, oui, forcément. Ah bah oui, hypnose hein, pour un ectoplasma, c'est normal. D'ailleurs, il peut aussi empoisonner, hein. Parce que je rappelle, c'est un Pokémon spectro-poison. Rappelons les choses. Ils ont vraiment bien respecté l'univers avec leur petite référence, c'est excellent. Franchement, moi, je dis, les gars, bravo, pourquoi c'est pas encore un jeu? Attends, en plus, vous avez vu, c'est une bêta. Alors, cependant, je crois que c'est un vieux jeu. Je ne sais pas si là, ça a été abandonné depuis. Si... pourquoi... Quoi? Ah ouais, elle a une petite tenue sympa quand elle va faire dodo. D'accord. Donc après, quand j'ai dit, je ne sais pas si le jeu a continué, etc. Je ne sais pas où il en est. J'ai juste vu ça, je me suis dit, holy shit, il faut que je le remonte. Tiens! Yeah! Fabuleux! Voilà, j'ai juste envie de dire ça. Alors, contre qui? Avale tout. Ah, la musique des montagnards, des dresseurs montagnards qui sont apparus, je crois. Cette musique est apparue à partir, oui, de Ruby et Saphir. Alors, comment ils sont arrivés à sélectionner Avaltou parmi les... Ah! Dans l'univers de Pokémon... Colosseum. Avec la musique de combat, hein. Alors oui, je pense que beaucoup savent que je n'aime pas du tout Pokémon Colosseum. Hein. J'en avais fait moi-même une revue un peu satirique sur les bords à ce sujet. Mais ah oui, et avale-toi un Scarabrut dans la bouche. Ne me demandez pas pourquoi, mais il se bat avec lui. Aïe. Mais ça c'est vrai que je... Oh, ah, je me suis bien sorti pour une fois. Je n'aimais absolument pas ce jeu. Hein. D'ailleurs, j'ai expliqué le pourquoi du comment hein, avec aussi Pokémon XD, le Souffle des Ténèbres. Ce sont deux Pokémon que j'ai détestés. À l'époque, hein. Après, maintenant, je serais pas capable d'y rejouer avec le même recul. Peut-être que j'apprécierais, mais je sais pas, les combats étaient lents. D'ailleurs, c'est ma plus grande peur pour les Pokémon X et Y qui arrivent, c'est que les combats redeviennent lents. Parce que ça m'était ma plus grande peur. Parce que dans Pokémon, dans les derniers, là, Noir et Blanc et Noir et Blanc 2, les combats étaient hyper hyper nerveux. Et c'était super, c'était vraiment ce qui m'avait le plus plu. Ça, et l'histoire de malade de Noir et Blanc. Ça, c'est une histoire. Tiens. Wouah. Fabuleux. Je suis fabuleux. Je suis fabuleux. Oui, c'est... Ah. Allez. On va voir jusqu'où je peux aller, en fait. Je vais continuer jusqu'à ce que je peux y arriver, jusqu'à ce que je perde. Allez. Yeah! Hell yeah! Oh, la Tias! Oui, donc, là, nos trucs, là. J'aime bien vraiment les musiques qu'ils ont mis, c'est. Et puis, les c'est excellent! Ah, ça, c'est de Pokémon. Pokémon Battle Revolution sur Wii. Un autre mauvais jeu Pokémon, ça, c'était. C'était une horreur ce truc. Juste des combats lents et c'est tout ce qu'il y avait. C'est comme si tu prenais Colosseum ou HD ou XD sous DTM, tu enlèves le scénario, tu mets légèrement meilleur graphisme et ça te donne ça. Oh putain, il m'a fait le Hadoken du feu dans la gueule. Ah oh. D'ailleurs, j'ai vu que Lucario est capable de faire la même chose, mais bon, bah avec l'aura. Oh, putain. Oui, donc avec les bruitages et les voix de trucs japonais hein, à la base, hein, ce qui explique que cela ne parle pas forcément à tout le monde. D'ailleurs, moi non plus, ça ne me parlait pas au début, hein, mais de toute façon, j'ai jamais regardé de Pokémon en japonais non plus, hein, faut pas déconner. Quoique, la toute dernière saison, j'aurais bien envie d'essayer de voir ce qu'elle vaut, parce qu'elle a l'air, scénaristiquement parlant, d'aller un peu mieux que le reste de la série. Je sais pas, à voir. Je sais pas, moi, tu mets N en personnage, j'ai envie de voir, c'est obligé. Aïe. Je suis un peu en train de le spammer là. Mais bon, hein, vous connaissez tous la tactique. Hein. D'ailleurs, Lucario fait office de Ryu dans ce jeu. Puisque vous pouvez spammer son attaque aura sphère, hein, un peu comme le Hadoken. Non. Ah. Oh yeah. Draw me like one of your French girls. Pardon. Aïe. Non. Je veux pas perdre. Yes. Ouh. Oh, c'était juste. Ouais, mais du coup, là, c'est la final death, là. Enfin, le final combat, là. Fight!
Ouah, je suis fabuleux. Fabuleux. Aou. On ne frappe pas les gens fabuleux. Ça les défabulise, c'est pas bien. Aou. Je suis... Ah. Je suis en colère là. Aou. Aou. Non mais là, tu vas me défaire mon brushing. Aou. Oh putain. Faudra vraiment que j'apprenne à faire ces capacités. Aïe aïe aïe. Donc il n'y a pas de multijoueur en ligne hein, pour le moment hein. Je pense pas qu'il y en aura un jour d'ailleurs hein, parce que bon, c'est... Ah et bah voilà, perdu. Bon et bien c'est sur cette défaite cuisante infligée par Brazegali que je vais vous laisser là. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur Facebook ou Twitter si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vert, ça peut toujours m'aider. Je vous mets le lien de téléchargement en descriptif de la vidéo. Et j'espère que vous amuserez autant que moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.